l'association. Bonjour, elle est bien là. Comment ça va? Elle est bien? Ouais, elle est là. Doucement, doucement. On a vu des yaourts, comment les verres? Oui, non, les verres, Ah, oui, la peine, ça, t'es un isolier? Ben, là, t'es un verre pomme, la passe à un verre pomme même. Ah, ben, un pomme plumia, peut-être, non? C'est très joli. Ben, ouais, parce qu'il y en a le rouge aussi, de l'autre côté, là-bas. Voilà. Ben, un petit bonjour à La Réunion, à Madagascar, à toutes, ils regardent à nous. Et bon, toutes, hein, on met alors, t'as même dit que ça nous a aujourd'hui. Je vais dire, nous, on a FSU. Ouais. Avec FSU, ouais, syndicat FSU. De FSU. Comment il va aller un petit coup alors? Comment ça va? Hein? Ça va bien, ça va Christian, bien. Merci à Christian nous. Picard, hein? Merci d'être avec nous. Hein? Alors, c'est FSU ou SNU? Non, FSU, Fédération Syndicale Unitaire. D'accord, le SNU, c'est un autre encore. Ça, c'est un syndicat de la FSU. La FSU, c'est la fédération. D'accord. On a 22 syndicats et affiliés chez nous. Ah, d'accord, hein? D'accord. Essentiellement dans l'éducation nationale ou bien? Essentiellement, mais à la territoriale aussi, au pôle emploi, d'accord, à la justice. Voilà, nous l'est un petit peu partout, sauf dans le privé. Ça sauf nous fait dans pas. Le privé. Tout ce qui est voilà, public, voilà. Nous l'est là. D'accord, et là mon camarade à côté. Voilà. Et Elie, ouais, moi comme ça, il a raconté des histoires. Hein, Elie a cuisiné aussi parce que comment ça va? Il est là au même. Ah, c'est qui? Guillaume. Guillaume. Il est là mon frère. Ouais. Professeur des écoles Saint-André dans le quartier Fayard. Ah. Il est en grande section maternelle. D'accord, grande section. On dirait pas un grand bonhomme comme moi maternelle. Il fait rire jusqu'à. Je n'aime pas encore bien Elie, voilà, laisse-moi la place. Il faut bien garder comment il se passe. Bonne maman, il est là, il fallait au tonton. Non, pas encore, non, il n'y a pas le même monsieur quand même. D'accord, non. Ok. Je n'en ai pas encore d'un. Ouais, d'accord. Il n'y a pas beaucoup de professeurs des écoles, surtout dans les petites sections, moyennes sections comme oui, ça. Oui, non, Bougues. Les Bougues, comme Bougues ils disent. Bougues, hein. Il est le seul dans l'école, en tout cas, pour ça, mais oui. D'accord, alors. En tout cas, ce n'est pas ça qui empêche de cuisiner, parce que ce soir, ça cuisinait. Hein, et la cuisine, il pense que c'est quelque chose que vous faites habituellement. Ça même, bon, ces derniers temps est plus compliqué parce que je viens de gagner deux marmins et donc maintenant il occupe à moi un peu. Coup? Donc ça même. Arrive de d'un coup, bon. Il prend le temps. Mais sinon, non, mais bah, cuisine devant un petit feu de bois, cuisine pour madame, cuisine bande d'allon. Et ben, fait une affaire un peu simple là parce que, là, comme il dit, le temps il manque. Mais un affaire miem aussi. Un affaire miem bien même. Ouais. Un bon saucisse. Un bon affaire pour accompagner. Et puis un peu de bread. C'est marche avec ça, hein, généralement. Hein. Mais bon, alors, okay, un bon petit bread pour refaire un peu le corps. Il faut manger un peu de légumes. Là, mais bon, ok, toi, fais une allumousse de bois là-bas. Parfait. Nous, ça, nous allons aller voir dans un instant. Allez, bon. Il me prend un petit carré camaron aussi, Christian. Oui, un camarade y arrive là, avec un petit carré camaron. Ouais, ouais. Et puis, il nous va mettre tout ça ensemble. Nous va passer un bon moment. Allez, bon. D'accord. Hein, il ne sera pas tout seul parce qu'elle est là aussi. Jeunesse Trois-Mars, ici, elle nous connaît. Bonne maman est là, nous connaît Bonna. Alors, Jeunesse Trois-Mars, comment ça va? Bien. Ah, où c'est qui? Bah, c'est Marilyn. Marilyn, hein, il paraît que c'est vous qui cuisinez aussi ce soir. Non, c'est ça. On a changé de cuisinier là. Ah, vous changez tout de suite comme et ça ben, alors? Eh ben. Ah, gentil cuisine. Deux, trois cuisines. Ah, aussi cuisine. Oui, hein? Il nous fait ensemble. Ah, au chanteur de Jeunesse Trois-Mars. Chanteur de Pamela Wally un instant là. Moi, c'est le musicien. Oui, musicien. Mais attends, dis-moi un petit coup, c'est Jeunesse Trois-Mars ou bien Jeunesse Comela? Jeunesse Comela. Ah bon, alors, parce qu'ils m'ont entendu dire comme ça, Jeunesse Trois-Mars. Non, mais Jeunesse Comela. Moi, je dis ça. Ah bon? Il n'entend pas aux oreilles comme là. Le bon, le bon. Nous va expliquer tout à l'heure, c'est quoi Jeunesse Trois-Mars, c'est quoi Jeunesse Comela. Les bons? Oui, c'est ça. Ça fait un caricoque. Le bon, hein? Le bon. Alors, il va aller voir tout de suite un monsieur à côté. Demande un petit coup dans les oreilles. Comment il appelle? Tiens. Le monsieur là. Mario. Mario, cette chante là. Hein? Mario. Les bon, allez voir un petit coup, hein? Les bon, il traverse, ça un petit coup, hein, Mario? Oui. Olé, ça va? Ça va. Hein? Et oui, ça va bien. Ça va bien, hein? Jeunesse comme elle là, Jeunesse Trois-Mars ou bien Jeunesse Trois-Mars comme elle là? Je laisse travailler comme elle, puis il y a tout aidé. Bon, on entend des jeunes, des formes de petits jeunes. Oui. De 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, à mon temps. D'accord. Des grands mounes aussi. On entend au niveau de la musique. Oui, au niveau de la musique. Voilà. Hein, on va faire beaucoup de choses. Donc. D'accord, alors, les bons. Bon. Ok, mais là, ça cuisinait à l'instant. Oui. Vous savez, oui. Un petit coup de main aussi. Un petit coup de main aussi. Les bons, alors. Hein, d'accord. On va poser une béquille, t'as l'air là-bas. Ma poêle à mon côté. Voilà, pose à mon côté. Et puis, on lui donne un petit coup de main. Un petit coup de main. Hein, vous expliquez-moi un petit peu tout à l'heure, tout ça qui arrive à où? D'une maladie. Oui. Diabète, parce que c'était la journée du diabète aussi. Diabète aussi, dernièrement, hein. Diabète. Voilà, on va parler un petit coup de tout ça aussi. De ça aussi. Où t'es lié directement, tout ça, ouais. Il a bien retard aussi pour opérer à l'artère. Ouais, ouais. Et trop tardé. Ouais, ouais. Mais là, 3 mois à l'hôpital, tu devais opérer à l'artère. Après, ils ont la machine opératoire, tout en panne. Et alors? Ben, il fait la coupe de ma jambe. La coupe de jambe? La jambe, sans regret. Ah bon?
Nous voir causer tout à l'heure. Bon, nous laisse Bernard aller cuisiner parce que Léa la fille est un petit peu vieux, hein. Mais bon, nous commence tout de suite parce que là, la première chose à faire, on ne peut pas perdre de temps là. Il faut que nous mettions saucisse la bouille, non? Pas mal. Hein? Voilà, et ça, saucisse, c'est ça, tout ça, ça. Saint-André même. C'est Jean-Claude. Ah, c'est Jean-Claude Saint-André en ville. Ah, d'accord, alors les bons. Non, mais on peut faire un peu de publicité aussi. Ah, ben, oui, tant qu'à faire. Les saucisses, les bons, donc. Les saucisses, les bons. Si vous achetez là-bas, évidemment, les bons. Et quand vous faites un rougail, c'est ça qu'on met dedans, l'important. Donc, si le saucisse n'est pas bon, ce sera compliqué à ranger le rougail. Non, le saucisse, les bons. Les bons. Alors, Bernard, nous laisse Bernard aller préparer un peu toutes les épices. Toutes les épices, fais bouillir le saucisse, le boucané, le coq. La pomme boucané, là. La pomme boucané, là. Non, la crevette. Le camaron. Le camaron, voilà. Les bons, là. Après, on revient tout à l'heure. Les bons. Les bons. Les bons, là. Merci. Les sangs. Les bons. Allez, tout à l'heure. Non, filme pas moi. Filme pas où? Les bons, mais filme pas où? Et il paraît qu'on fait travailler avec deux bouts. Ils causent pas non plus, moi. Ils causent pas non plus? Les bons. Ils causent pas non plus, les bons, d'accord. Bon, mais là, les autres font travailler debout. T'as pas fait un grand plan pour voir que les autres font travailler debout. Hein? Les bons. Mais ça, c'est un truc qui pèle le temps, ça, brette de chouchou, brette chouchou comme ça? Non, c'est le plus facile à trier. Normalement, plus facile? Ah oui. Ah bon? Il faut faire trier, aller que. Ben, après, bah, ouais, lequel le plus simple à faire? C'est la même? Bread médaille, bread mouroum. Ah bon? À moi, me mettre congelé dans le frigidaire, moi. Pour me mettre un sachet plastique, mais ça coûte deux. Quoi, après, fini? Un instant. Voilà? Ben, elle est bonne, là. Et le gongon aussi, il est bon? Le gongon, il m'appelle ça comme ça, moi. Hein? Ouais. Il m'appelle comme ça, même ça, Christian. Le gongon. Gongon. Les bons. Okay. Et dans l'autre saucisse, ça met des gros piments, là? Ben, un petit peu. Un petit peu? Déjà, la viande est importante. La viande est importante. La viande, elle est belle, mais il faut manger un peu de légumes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut un peu équilibrer l'affaire. Voilà. Et gros piments, c'est un bon petit voilà. Avec. Trois fruits, trois légumes, au moins comme ça, légumes, on va gagner un peu le fruit, pas trop. Dedans, les vrais, ça, pas 5 fruits et légumes, ben, il faut. 5 fruits par. Il faut, après, là-bas, j'ai 5 à l'unité, hein, c'est pas. Il faut manger 5 qualités de fruits et légumes. Ouais, ouais, et après, il faut doser. D'accord. Mais non, les importants même. Important. Et on essaye de donner ça à Maramaï aussi, parce que là, quand on arrive récréation avec Maramaï, ben, ils mangent rien que gros gâteau, la fine. Voilà, histoire d'un supermarché, pas trop cher. Ouais, ouais. Seulement les gommiers pour les autres. Ouais, ouais. Donc, ils essayent de donner à eux un peu l'envie de manger fruits, et après, ils rentrent la cave, ils mangent légumes. Hein, ouais, voilà. Si, bon, on connaît Maramaï, c'est plus compliqué. Et puis, non, sinon aussi. Pour moi, c'est important, c'est une sourgage aussi, parce que même si l'on a fait, elle est simple, ouais. C'est la base, c'est la tradition. Et, mais aussi, il dit, mais il y a un montant créole, ouais, ouais. Tout ça, là. Il est là aussi pour, voilà, avec le petit drapeau La Réunion. Ouais. Banal, c'est comme ça, on est un montreur. Ça même, hein? Bien, on monte, ouais, en créole, en français, ouais. Avec Bonne Simara Maïla, nous cause, nous fait, nous lit des histoires, nous raconte des histoires, ouais. Nous essayons un peu mettre à zot aussi, bonne mot longtemps, bonne tradition longtemps, bon jeu longtemps. Et voilà, tout doucement, avec cette nous gagne fait, nous fait avancer un peu ça. Pas facile tous les jours, hein, d'un travail, et pas toujours fait comme nous veut quand il s'agit qu'on se créole dans l'école. Mais voilà, c'est une affaire nous porte, nous en tout cas la FSU, depuis ben, au moins 20-25 ans, c'est une affaire nous porte vraiment par devant, de manière. Il a fait les conséquences pour nous. Ouais. Hein. Il faut cause créole dans l'école, il faut cause créole partout. Mon collègue, quand nous cause, même les professeurs, ben, ça par exemple, c'est un dit bon Zatsem. Il cause en créole avec mon Zatsem. Seulement, quand il arrive avec mon collègue, il faut nous cause français, être propre. Alors que tout le peu les créolophones, ils ouais, ouais. Cause créole, ouais, ouais, créole ouais. Cause. Pour moi, à un moment donné, pas normal. Donc, nous, tous nous cause créole. Si on n'a pas envie, on peut cause français, nous ne sommes pas obligés à eux non plus. Et à Carrefour. Mais il n'est pas normal, il empêche. Les bonnes de Moon, fait ça, les pas normal, ouais. Il tacle Maramaï dans son. On empêche pas un Corse de parler Corse. Ça même, hein, pas surtout pas un Corse. On empêche pas un chipop de parler chi. Non plus, et en plus, hein, donc, quand on fait ça avec Maramaï, ou tac azote, ou crase azote, alors qu'un Maramaï, ou donne à y pour causer n'importe quoi, ça, quand il est chi, hein? ou trace un sillon pour lui après. Ouais, ouais. Il arrive vraiment gabier dans son vie. Alors que quand on donne rien qu'une langue, quand il a deux, trois dans son coco, là, crasé ou maillé, il ne connaît plus que ça, il va faire. Et Koma aussi, des fois, voilà, nous dit, il est plus difficilement à Maï la Réunion, réussit l'école, mais il est aussi parce que l'école, il donne pas autre pour. Les moyens.
pour reconnaître aussi cette identité. Bien sûr. On a deux langues là, nous connaît, ça, bonne chercheur, bonne grand monde à réfléchir. Nous connaît qu'on a deux, trois langues dans le coco là, nous les plus gabiers pour réfléchir deux, trois en affaires, quand on n'a rien qu'un. Bien sûr. Donc peut-être aussi on a deux, trois les jaloux, on n'a rien qu'un dans notre coco, ça nous a plaisir. Mais bon, alors, mais non, laisse ça au cuisiner, laisse ça au cuisiner parce que, on attend de nettoyer, tiens là, là. Ah, où ça fait le coco là Ben, je vais te voir, oui. Ouais. Mais toujours bien, avec un chapeau comme ça sur la tête. Ben, hein? Si je veux être abonné. Ou là, toujours avoir un petit peu froid dans la tête. Non, non, pas froid. Je veux rester abonné. Ah, vous restez abonné? Ben, mais connecté. Vous les connectez, vous les abonnez. Ben. Hein? Voilà, les bons, les abonnés alors. Les bons. Les bons. Ah, où je sais pas rien aujourd'hui. Ben, c'est un coup de main. Ah, vous savez, c'est un peu le coq. Oui. Ah, les bons. Ça, c'est la fouille. Fais carré coq là. Ah, oui. Ah, oui. Alors, vous connaissez. Vous connaissez. Mais les bons. C'est un spécialiste, vous. Puis là, ça, ça t'a les fait alors. Les bons. Mais là-bas, distribue t-shirt, distribue tout. C'est un grand t-shirt là. Non, mais c'est le pont drapeau, vous voyez. Ah, ou le pont drapeau? Ah, mais c'est le pont drapeau. Les bons alors. Parce qu'il y en a le pont de voix, il y en a le pont de parole. Ouais. Pont de parole, ben moi, c'est le pont drapeau. Les bons, les bons. Le drapeau, c'est un peu le comment dire. Allons le. Si on remonte un petit peu dans le temps, le 1789, c'est ça que t'es mort, la révolution, oui, même. Des, allons dire, mais comme un Gavroche. Oui, hein, voilà, voilà. Mais comme un Gavroche, mais des temps modernes. C'est-à-dire qu'on prend le drapeau, on nous monte sur barricade, nous déguise, on nous typer comme du mascotte, nous mettre en Père Noël, hein, nous monte sur la grille conseil général là-bas. Hein. Excusez-moi encore, Madame Dinda, à l'époque. Hein, à l'époque. Hein. À l'époque, ça, les révolus. Voilà. Les révolus. Hein. Bon, mais là, ça, on prend tout le drapeau, oui, tout le oui. Voilà, hein? L'étendard. Voilà, ouais. L'étendard. Ah, mais t'es bon, sanglant les. Hein? Les bons, les bons. Les levés. Sanglant t'es levé, hein? Sanglant ou sans blanc? Enfin, sans blanc non, 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 un peu sans blanc. Un peu sans blanc aussi. Mais voilà, ok, ok, ok. Bon, bien là, bien là, ça où? On t'en prépare quoi? Ah, vous préparez des amuse-gueules? Ouais, ouais. Et puis amuse-bouche. Ah, amuse-bouche, excusez-moi, m'a dit amuse-gueule, hein? Parce que voilà, les bons là. Ah, les bons alors. Ok, les bons. Mais il y a un autre monde ici, comment il est? Bonjour. Ça va bien, vous? Ça va. Voilà. Ah, où c'est qui? Moi, c'est Réunion Jean-François. Ah, FSU ouais. Aussi. Oui. Professeur des écoles. Non, même pas. C'est le responsable cuisine satellite de. Voilà. De quel endroit? De lycée le VHS Sainte-Marie. Ah, le VHS Sainte-Marie. Voilà. D'accord. Donc, ta cuisine, nous l'est tout le temps, alors? Depuis la 17 ans. Depuis la 17 ans, de la cuisine. Voilà. Elle est 43. Mais seulement là-bas, là, la cuisine, oui. Il fait pas ça à la main, comme ça, la machine. Hein? Oui, hein? Non, mais là, il fait la main. Voilà, mais voilà, voilà. Là, hein? Traditionnel. Ouais. Et dans la cuisine centrale aussi, puis c'est pas là. Non. Ben, moi, hein? Il est plus côté. Liaison froide, ouais. Voilà, liaison froide, nous fait que le remise en température. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, ouais. Bah, là, la cuisine centrale, il fabrique, ouais. Et nous fait que remise température. D'accord. Alors, hein. Après, par contre, moi, mais c'est vrai, ben, il fait X temps mis dans la cuisine. Ouais. Et qu'on filme passe tout ce temps-là en cuisine, là-bas dans une cuisine centrale, quoi, quasiment envie de cuisiner encore. Toujours. Ben, toujours. Oui, parce que bon, madame a un petit restaurant aussi. Ah bon, d'accord. Mais allez, je vais dire, moi, quel restaurant, voilà. Les bons. Comment ça va? Bonsoir. Ah, où c'est qui? C'est la femme de François. Un prénom, femme de François, non? Non, mais bon, m'a fait comme vieille mon nom, tant que au madame François, si non, non, il fait pis ça, elle a dit, il fait pis. Non. Hein? Alors, Evelyne. Prénom, Evelyne, hein? Oui. Alors, on a un petit restaurant, quel endroit? C'est un snack sur Drapanon. Drapanon? Du bas de lycée de Drapanon. Ah, d'accord. Et qui cuisine à l'intérieur de ce snack-là? Alors, ben, c'est les jumeaux. Les jumeaux? Oui, parce que les nains jumeaux. Ah, d'accord. Ah, jumeaux reconnus. Les bons, là. Et votre spécialité là-bas, c'est quoi dans ce snack-là? Feu de bois, d'accord, mais en place et... Après, ils cuisinent de tout, hein. De tout, à la carte, on a quelque chose. Non, la pointe 4, aujourd'hui, on a un menu, donc demain, un menu, après demain, un menu. Voilà, ils changent tout le temps, voilà. En fonction des produits que voilà. Tu retrouves. Voilà, les barils. D'accord. Il appelle comment, ce snack-là? Au gourmand des jumeaux. Au gourmand des jumeaux, voilà. Merci bien, alors. Hein? Bon, il laisse ça où? Et ça, ouais, un petit coup, on attend le nettoyer bread. Pareil, bread de chouchou, c'est le bread le plus facile à nettoyer. Malé wap, c'est gardé, c'est vrai, bon. Ok, merci. Bon, ok. Et dis, je voulais arriver avec bread aussi. À chaque fois qu'il voit un peu bread, il voit une vige à côté. Ah, ben oui. Vous l'abonnez à ça ou tout le temps? Vous aimez ça ou non? Bien trier. Bien trier. Bien manger, donc il faut aimer trier. Ah, vous aimez trier. Les bons. Les bons. Bien étonnant. Vous connaissez l'expression dans mon café, la poitrillage? La quoi? Dans mon café, la poitrillage. Non, mais je ne connais pas ça. Ah, ben dis, je connais. Non, mais peut-être. Quand tu connais l'expression dans mon café, la poitrillage? Bien, vos expressions, Milan. Mais vous ne connaissez pas dans mon café, la poitrillage? Hein? Comme ça, on a un moule. Hey, tu connais dans mon café la poitrillage? Ah oui, je connais. Hein, l'expression, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que
WhatsApp tout le monde. Ouais, ouais, et puis après, tout le travail, vous faites. Oui. Donc, café, la poivrière. La poivrière. Mais ouais, ou la poivrière. Vous êtes là avec tout le monde. Hein. Regarde pas si les gris, les blancs, les noirs, ou regarde tout. Tout les pareil. Bons, voilà. Pas d'importance voilà. Avec vous. Mais ça, ouais, Edwige, voilà. Donc, bah, café, la poitrière. Bah oui. Ah, ou si elle a fait ses épices, ses épices. Ses épices, ou fait piment, ou fait des riz au feu. Alors, ou fait. C'est pas qui mange, généralement. Si. Ah, quasiment. Quatre personnes. Ici, pas trop. Hein, mais là, oui, ah, ou pas trop. Quatre personnes, hein. Bon, mais là, non. Grosse quantité, mais pas. On va jamais essayer. Bon. Bon, mais laisse tout le monde préparer ses épices, hein. Mais reviens, t'as l'air, moi. C'est bon. Allez. Ok. On peut revenir rien alors. Non. On vient le pape. Ah, on va appeler l'eau dedans. De l'eau avec de l'huile, n'est pas bon, ça, on connaît. C'est pas bon ménage. Hein? Des fois, il fait. Des fois, il fait, hein? Il fait des ordres plutôt. Non, mais là, des fois, quand on fait cuire comme malin, il faut de toute façon ça mettre de l'eau même dedans pour faire cuire. Ah, ben oui, hein, mais mélange avec de l'huile. Non. Non, mais après, bon, les gars, il fait son affaire. Il y a des gars, il fait. Ben, allez, donc, allez. Et en plus, il a bien fait de bois, donc c'est pour ça qu'il a son caricot. Il fait de bois, il est joli. Il fait bon. Ah oui, j'ai fait les. Toto, la lune, Toto, là. Ben, Toto, on a la même allumeur. Parce qu'il n'y a pas de lumière à raconter. Et ici, il y a un allumeur. Ah bon? Okay. Allume le feu, hein? Allume le feu. Allume le feu. Il y a eu Wally habitué dans le feu. Les bons. Et ça, c'est le saucisse qui bouille bien là, hein? Voilà. Ben là, tu vas mettre le saucisse au feu, fait bouillir. Il y a un peu pour l'œuf de sel. Voilà. Hein. Mais ce qui est paru, c'est un beau saucisse. Ah bon? Il paraît, ils sont attaqués à Châtitier, ici, en ville Saint-André. Voilà. Hein? Non, même nom que moi. Et ouais, quoi? Ben, Jean-Claude! Jean-Claude! Prénom, même prénom. Voilà. C'est le même nom. Et hey, Nanmoun a fait du manger, hein? Ah, vous avez vu ça? Mais ce qui va aller vite? Hein? Elle a brûlé le main. Ah ouais? Ça, à moi, le TSM m'a dit. Voilà, monsieur Bidier! Voilà. Je lui ai dit, voilà, monsieur Bidier, non, mais crois pas. C'est ça, les gars, il y a ta l'air. Ok, allez, à tout à l'heure. Ah, depuis tard, il y a ça tout à l'heure, hein? Ah, où ça le tri. Ça va secouer un peu le viande. Mélange un petit peu. À quand je vois ma gésier comme ça ou mettre pas gésier. Si. Mettre à la fin. Voilà. Ah, mettre à la fin alors. Ouais. Et gésier là, il faut pas faire frites à lui. Parce que sinon, il dit aussi. Et après, il y a des problèmes. C'est pour ça, hein. Bah, tu fais griller. Fais griller. Mais là, quand on arrive là, il faut pas faire revenir à lui. Non, on ne connaît ça. Il faut mettre là, comme on l'a fait là. Là, on tire lui sur le côté. Il faut mettre sur la fin. Bah, oui. Tout à fait là. Hey, à où là? On trouve la batterie là. Faut taper dessus. Bah, on passe, il faut pas bien. Ouais. Vous avez vu comment il aime la batterie, hein? Ah, il aime ça, il aime bien. Bah, mais comment il aime guitare? À moi, même une guitare basse, guitare normale. Tout, toujours. Tout. Ben, regarde, coupe-toi là, comment il coupe bien, c'est-à-dire. Il coupe pas de main. Ah, pas moins. Il coupe bien, hein. Ben, même pas de main. Coupe-toi, comment il coupe bien, c'est-à-dire. Il repasse des coups, mais bon. Des petits coups. Mais bon, alors. C'est mon cousin, ça. C'est le cousin, alors. Comment il appelle le cousin? Jimmy. Hein, Jimmy. Mais Jimmy a aussi fait un petit peu de musique aussi, non? Avant, oui. Avant, tu fais quoi, ou? Tombales. Hein? Tombales. Ah, d'accord. Pour l'arrêter un petit peu. L'orchestre Copain 2000. Ah, Copain 2000. Ah, ça l'orchestre m'a bien marché, ça. Bah, t'es chauffé à tout. Ah, où t'es chante? Mon frère chante. Eric. Ah, bon? Eric. Eric. Oui, on connaît Eric. Eric, comment? Eric, bon salaud, appelle Eric Caillou. Ah, d'accord, oui. Oui, avec Marie Louaud. Avec Marie Louaud. Oui, on a fait un petit coup Marie Louaud. Ouais, Eric. Et mon beau frère Philippe. Ah, Philippe. Philippe Dorval. Philippe Dorval, frère. Beau frère. Philippe, il connaît bien. Philippe, c'est un bon guitariste, hein? Oui, en Alsace. Là, en France, il y a bien. C'est la bonne sécurité, ici, c'est là? Ah oui, sur le village. Non, on a un peu bon, c'est la sécurité. Il y a moi qui bien bon, c'est la sécurité, moi. Explique à nous. Ah bon, laisse pas nous comme non, ça. Non, mais si tu m'expliques à d'autres, on a une carrière. On a à peu près 15 ans de sécurité. Hein? Alors, on a tout est grade corps, allons dire. On a mis le plus célèbre, alors. Ouais. Plus célèbre. James Brown. Ah bon? Ah oui. Il n'a pas besoin d'un col, il a son revolver. Non. Ben non, il n'a pas besoin. James Brown, il a aussi Johnny Hallyday. Regarde encore Johnny Hallyday, James Brown. Après la maison, Zach Goldman, Yannick Noah, To Be Free, Alia, G-Squad. Stéphane Echer, on a besoin d'oreillettes. Ah bon, il le vrai ça. Non, c'est un mythe, ça. Il paraît raconter une histoire un peu bête dans les oreillettes. Ah non, un petit peu bête pour ne pas dire un plus gros mot, un gros mot là. Mais il paraît dans les oreillettes.
Non, mais raconte un peu d'histoire. Hein. Non, mais à la limite, hein, comme dit Bona, le petit l'oreillette, hein. Mais raconte un petit anecdote. Hein. Quand James Wan arrive à la Réunion, je me rappelle plus l'année, mais donc un petit peu plus jeune. Zoa figure ici, un petit peu fine. Les filles n'avaient pas descendre. Ouais. Mais enfin, à l'époque, le corps était des gaillards, tout est gaillard. Hein? Donc, nous étions en costume. Hein? Okay. Alors, là-bas, nous étions quatre, nous étions en costume. Costume, oreillette, comme on dit, oreillette. Et puis, avec costume, cravate. Ouais. Et puis, nous arrivons là-bas. Alors, bien sûr, quoi arrive pour attraper James Bond dans l'aéroport. Ouais. Le Netanmoun. Hein? Netanmoun. Et donc, nous sommes attrapés à l'arrière. Hein? À l'arrière. Nous sortons de l'aéroport, quand nous sortons de l'aéroport, à un moment donné, il y en a deux mounes. Deux mounes forcément. Ils s'accordent en anglais avec nous, parce qu'ils calquent nous l'américain. Ah, vous comprenez? Bien sûr, l'habillé, on a une blague. Ah oui, mais une blague, lunettes noires, tout. Lunettes noires, oreillettes. Alors, je ne m'explique pas, le petit bouc, a fait compagnie, donc il fait qu'à un moment donné, deux mounes, j'ai outé. Alors, il y en a deux mounes, on commence à causer en anglais avec moi. Mais moi, comme l'école longtemps, on connaît, c'est pour ça, Maramaï, l'école, ils servent impeccable. Hein, parce que les seuls affaires mal à retenir l'école. Hein, la seule phrase, je dirais, hein, c'était « Liz ran fast because she wanted to meet her friend. Brenda was in the playground. » Alors, vous imaginez où? Alors, je dis un petit peu... pas mal. Non, c'est ce que m'a retenu. Avec ça, on fait beaucoup d'argent. Mais maintenant, je dis un petit peu ralenti. Hein, parce que de monde, c'est à moi qu'on ne comprend pas l'anglais. Ouais. Alors, donc, « Liz ran fast. » Il y a « Liz, il court vite. Ouais. »« Because she wanted... » Alors, « because she wanted to meet her friend. » Parce qu'elle veut rencontrer son amie Brenda, qui est dans la cour. Ouais. Alors, donc, c'est ça. Ah ouais. Alors imagine là-haut, nous sommes avec James Brown, à 4, nous mettons la compagnie à lui, la foule, il cause rien qu'on obéit avec nous. À un moment donné, à un moment, on sort ça comme ça. Hein? Moi, je dis, Liz ran fast because she wanted to meet her friend Brenda was in the playground, ok? Hein? Ok, maintenant, il y a moi, je me dis, tant, marraine. Ok, je me bougais, il faut en anglais, mon bon camarade, il faut en anglais, il est bon, hein? Je me dis, alors, en fin de compte, personne de t'entendre, quoi, en fait. Personne ne comprend pas ici. Et donc, on a la cru que nous étions américains. Alors, en sortant de l'aéroport, le bon même monde qui cause avec nous l'anglais, à un moment donné, il me dit, on est croit que nous sommes américains. Nous, tu t'es, imagine les gars, arrête de déconner, mais pas américain, moi, hein. Mais les créoles, les lyonnais, d'accord. Mais ça va, maintenant, ça va, on s'enlève de l'eau dedans, là. Un seul lavage ou bien un seul bouillage ou bien deux bouillages? Maintenant, on me fait rien qu'un, mais là, on a un peu le temps. Ouais. Oh, mais non, là, il est bon. Il hydrate son bras. On n'a pas besoin de mettre de l'huile. Ouais. Ça ne va même pas de l'huile, hein. Il fait frire dans un peu au début. Comme ça, sans huile. Mais je suis un peu le gras, il sort. Ouais. Tire le saucisse. Ouais. Fais de bonnes épices. Ouais. Ben, après, mettre des oignons seulement, là, pour le coup. Mettre un petit peu de tomate pour rafraîchir les oignons. Ouais. Et d'abord, ça pourrait être aux épices, ça. Ah ben, il y en a plein là pour moi-même. Là, à où mettre quoi? Il y a des oignons tomates. Ah, même pas oignons tomates. Il y a des oignons tomates. Hein. Les épices, c'est dedans. Hein, ouais, bien sûr. Le sang, l'odeur, le saucisse, c'est allé là, ils sont là, il y a le thym dedans. C'est vrai, donc le saucisse, c'est quelque chose le plus facile à faire. Ben, au-delà de le plus facile pour le cuisinier, le charcutier a fait le travail. Mais comment on explique que chaque charcutier est différent, chaque saucisse est différent? Vous connaissez après là. C'est soit l'assaisonnement. Déjà, on a l'assaisonnement, la viande, quelle qualité cochon là par type. Si t'es trouvé au couteau, au hachoir, ça même. Là, on m'apprend, mais on a une note aussi, il connaît les bons, c'est d'un Guillaume Saint-Paul. Ouais. Il fait son. Ça même, il fait son saucisse au couteau. Ouais. On a un petit bouc Saint-Denis, il fait aussi son tirouga et saucisse. Pareil, il met un oignon, tomate, saucisse. Ouais. Au moins le saucisse. Je connais l'indifférence directe, il sert à rien mettre. Exactement. De l'ail, le thym en plus. Donc, bon concours rougaille saucisse, là, n'est pas trop vrai, là, parce que tout y dépend du saucisse, donc il faudrait faire un concours de fabricants. Mais de saucisse. Mais c'est pour ça, avait fait un concours rougaille saucisse, là, mais chacun a le droit à la même chose saucisse. Ah, même. Pour quoi saucisse, c'est suffisant. Une fois que vous connaissez le bon saucisse, on a le bon rougaille. On a le bon rougaille, on a le concours. Ah, même. Et après, vous connaissez, rougaille en même temps, c'est de toute façon, on a fait toujours le produit qui l'est préparé. Ça a la différence avec le curry, si on a bien suivre un peu la tradition. L'ami mon camarade, il fait son lina pouffé pour son curry coq. Il fait l'ail au couteau. Hein, ou il fait l'ail au couteau. Hein? Il m'a pas dit à la Wabi, ici, là, nous, il connaît. Et ça, c'est un grand batteur, ça. Hein? Dans le groupe Jeunesse. Mais il va. Là, c'est un batteur. Ma vieille batte là, il a tranquille. Quand il est sur la batterie, là, il connaît plus de monde. Il connaît rien que le son sur batterie. Et franchement, c'est un des bons. Un bon. Encore goûté, mais bon. Nous connaissons. Hein? Les bons, change pas, reste comme ça. Ah, toujours. Hein? Change pas, reste comme ça. Hein? Les bons, banaya bon, c'est même là. Je sais pas. Il y a nos mounes, on dit pour les épices. Ah là là. Ah, oui, les bons.
Ou tu peux me. Nana, fais-le là pour Yann, tu là. Parce que Banal la reprend l'autre feu là-bas pour. Et à où faut le feu de bois? Ben oui, d'accord. C'est Nana pour la place pour faire. Nana, parce que là-bas le coq, Banal la remettre sur le feu à gaz là-bas. Non, mais attends, juste tomate, prépare un peu. Il sert vite, hein. Okay. Une fois que le saucisse a fini frit, nous tirer. Après, nous trouver un petit endroit pour mettre d'ailleurs. Elle est bon. Après, nous fait roussir le tison oignon. Mais je vais changer un peu la couleur. Et après, là, le saucisse. Mettre un peu de tomate, après, on a essayé un peu d'or. Et à où le saucisse coupe ou bien la sentier aussi? Là, ça fait frites entier, quand même, bien sûr. Après, il me fait un petit morceau, comme on a moins pour moins voilà. Travailler d'autres assiettes. D'autres assiettes. Elle est bonne, là, ok. Elle n'est pas cuisinier, moi, d'ailleurs. Elle n'est pas cuisinier? Non, mais elle est plus peinte, moi, d'ailleurs. Ah, le peinte? Ah oui. Elle est mangée. Oui, pour Michonneux, d'ailleurs. Bon, là où ça fait frites, elle est là, hein? Quand même. Voilà. On va un peu le gras. Ouais. On va mettre pas d'huile. Un rougail diététique, ça. Ouais. Un légume. Ouais. Juste pour faire plaisir à notre oreille. Hein, parce que là-dedans, là, on a du gras quand même. Donc, tout du là, quel gras. Ouais, on connaît, il est puni par, certaines personnes, ça, le mentir à soi-même. Je connais, non, après. Mais trouve-le encore meilleur, parce que on a même pas le goût d'huile, le saucisse. Il donne son gras, vous mettez le oignon, il prend le gras là, il donne le goût directement. Ouais. Et après, voilà, tranquillement. L'inconvénient, c'est que là, il faut tourner. Hein. Oui. Il ne faut pas laisser aller tout seul tranquillement parce que sinon, on n'est pas bon. Hein. Ou la saucisse. Mais là, qu'on va, tranquillement. Voilà. On a la buée après, hein, ton lunette. C'est bon, ben, mais laisse avoir tes saucisses. Hein. C'est bon. Eh bien, à où ça commence à attaquer le camaron, là? Non, on n'attaque pas le camaron. Attaque le carré camaron. C'est un expression qui attaque. Elle commence. Commencer, c'est attaquer. Hein? Oui, faut bien nettoyer avant. Faut bien nettoyer avant. Et Lily a été dévenu ou pas encore, lui? Pas encore. Ah, ben, il veut dire que là, on a travaillé, ou là? Ah oui, on a travaillé. Ouvrez un ciseau. Un ciseau, un petit couteau qui coupe bien. Un petit couteau qui coupe bien, Nena. Hein? Mais bon, madame, à où ça alors? Merci. Tu vas commencer. Ouais, deviner. Dis ça, deviner. Pas de deviner, hein, parce que deviner, la deviner, c'est aussi. Hein. Mais là, c'est deviner. Je ne connais pas que ce soit deviner. Hein? Non, ben après, il faut deviner. Pourquoi tu nous as bonne affaire. Deviner. Bon? Si vous mangez beaucoup à Harry, il faut prendre les deux. Ah ouais, pour les valises, hein. Bien sûr. Est-ce qu'on a fait une vue dans des petites émissions sur la télé, YouTube par exemple, hein? Oui. Quand on regarde des petits trucs comme ça, comment Panette dévène ça au niveau de la machine, dans l'industrie? L'impressionnant. Ah bon? Ouais, c'est une petite machine, il vient, il trappe le petit truc, bon, c'est une petite machine. Ah ouais, Panette vend toutes quelques affaires, hein. Mais il dévène pas toutes. Ah, après, il faut passer dessus. Bah voilà, après, il dévène pas toutes. Ben, Nanani coupe le dos, l'autre qui enlève la veine. Voilà. Ben ou pas moi, on a moins d'un, pas moi, on a moins. Mais bon, le petit à moins, comment tu me connais? Oui, ben un petit canon, un petit grain. Un petit grain, alors? Ben, bon, poiron à la couleur. Tu fais poivre? Hein? On met pas piment, on met poivre. Un petit peu de piment, bon, ça piment pas piment, ah oui, ben bon, ça piment pas piment, après tu m'ennuyer. Ben, on gagne à côté. Ben. Alors, il est bien jaune, hein? Ah, comment? Dessous de bonnet là, alors pas un peu mal bas ou? Non. Ah bon, d'accord alors. Ok. Reste carte même. Ouais. Et puis je mange dans le feu là. Une salade? Comme de France. Comme de France? Non, encore comme sous-serre. Sous-serre? Ah bon? D'abord pas! Comme sous-serre. Ah, parce que toutes les mêmes grosseurs. Ah d'accord. Ben. Tant que comme normal là, les plus gros. Les plus gros? Oui. Comme normal, les plus gros. Comme là, ils ont toutes les sous-serres. C'est bon. Ça, c'est les oignons? Exactement. C'est au lieu de couper, rejoindre le joueur. Écoute, on donne un coup de main partout, là. Ah, d'accord. On va faire la pause.
Ça déstresse de couper les, oignons. Ouais, j'enlève un peu le stress. Ça te sort de ton quotidien. Exactement. Hein, de ta zone de confort, un petit peu de temps en temps quand tu découpes les oignons comme ça. Carrément, une zone de confort quand je découpe les oignons. Non, c'est vrai que c'est une activité agréable. C'est une activité qui te fait oublier beaucoup de choses, ça. Oui, c'est vrai. Là, actuellement, par exemple, là, tu penses à rien, là. Exactement, tu es concentré. T'es concentré. Parce que c'est le doigt que t'as peur, donc t'es concentré. Exactement. Bon, mais bon découpage, alors. Merci, c'est gentil. Ça rajoute les tomates de canne, alors. Des pommes collées. Des pommes collées. Alors tu attends, mais après ils fondent. Hein. Ils fondent. Bah, ils fondent. La saucisse est presque finie là, alors. Hein? La saucisse est frite. Ouais. Et là on réserve. Comme ça on dit en français, on réserve. C'est ça. On réserve là. Hein? Oui. T'as échoué côté. Pas celle de Marie là-haut, hein, ici, hein, pas celle là-bas. Hein. À nous, madame saucisse, hein? Madame saucisse. Madame saucisse. Allez, décalé. Voilà, ce sera mieux. Pour réserver. Alors, ça avance le dévénage? Oui. Hein? Il est presque fini. Alors, toi, tu coupes. Et toi, tu démènes. À la chaîne. Hein? Bah ouais. Pas une chaîne, mais. Non, non. Est-ce que vous avez vu le film de Charlie Chaplin, Les temps modernes? Temps moderne, les temps modernes. Ben, c'est toute l'histoire du travail à la chaîne. Hein? On parle de ça, ouais. En fait, là, hein, dans le film, et puis dans tout ce qu'on appelle travail industriel, hein, on fait la même chose, répétitif. Hein? C'est pour ça que la loi française a interdit le. De travailler de façon répétitive parce que ça donne des entorses, ça donne des sciatiques, etc. Et mais le problème, c'est pire que ça, c'est que dans le temps moderne, lui, Charlie Chaplin, il serrait des boulons, comme ça. Et après, arrivé le soir, dans son lit, il serrait encore les boulons. Hein? Et puis quand il allait dans la rue, bah, en manger, il serrait les boulons. Et tout le temps, il serrait les boulons, hein? Parce que c'est devenu un tic. Ah, ouais, le travail répétitif, le travail industriel, voilà. Hein? On apprend des choses à Canal Austral. Ah, ouais. Bon, allez regarder le film, hein? C'est un vieux film de Charlie Chaplin, Les temps modernes. En noir et blanc, bien sûr. Et là où tu fais suer tes oignons. Fait revenir. Ah, fait revenir alors. Ben là, pas paratif, ouais. Mais revient. Elle m'a dit des fois comme ça, il faut faire chier un peu les oignons. Pourquoi comme ça, là, il revient mieux. Fait chier le bon oignon, non. Non, suer. Comme le canal de Suez, tu vois. Hein, on dit pas le canal de Suez. La langue a fouaché. Exactement. Et on fait ça dans la sauce. Dans le gras saucisse. Dans le gras de saucisse, hein. C'est là le goût. Voilà, hein. Là, il y a l'arbre de Christian, on connaît qu'un des meilleurs hot dogs qu'on peut manger, c'est avec des oignons qui fait revenir dans de l'huile de saucisse comme ça. Ah bon, hein? D'accord. Moi, un morceau de pain, des oignons comme ça et un petit saucisse hot dog dedans. Qu'est-ce qui fait la différence? Tout le monde y fait rougail saucisse, mais qu'est-ce qui fait la différence? Le goût, le meilleur, c'est ça, hein? Ben, c'est ça, c'est notre créolité. Voilà, hein? C'est notre thym, c'est notre poivre d'ici. Et en réchauffé. D'ailleurs, tous les nutritionnistes l'ont dit que le meilleur, c'est un réchauffé le matin. Ah ouais? On les prend de pain confiture. Ah ouais? Trop de sucre, C'est pour ça que. C'est salé le matin. C'est pour ça que la semaine dernière, c'était la journée du diabète ici. Hein. Tu sais que 10% de la population, c'est-à-dire 80 000 personnes à La Réunion. C'est une pandémie déjà. Voilà. Et ça va être la maladie des prochains, du siècle prochain, du siècle maintenant. Et c'est vraiment une catastrophe, le diabète. Il faut vraiment nous toutes être concernés, ça. Même ça, nous la pointe, n'est pas grave. Il faut quand même nous faire attention pour nos enfants. Parce que nous n'aurons pas nos comptes. Parce que le sucre, là, ça est très addictif, là. Bien sûr. Pourquoi? Parce que il donne à nous un peu de plaisir. Ah, ouais. Donc Nana il drogue, mais il a été prouvé le sucre les plus. Mais face. Et surtout, il a fait des expériences avec des rats, la donne azote, de la cocaïne et du sucre, mais ça que la prend le sucre était plus addict au sucre qu'à la cocaïne. Ah, non, donc un pouvoir d'addictif très fort le sucre. Sans pour autant ne pas utiliser la cocaïne, bien entendu, hein, parce que c'est pas une raison. Hein. Mais c'était juste pour dire où le pouvoir du sucre est de plus en plus dans toutes les maladies. C'est le diabète qui est un des facteurs essentiels déclenchants. Voilà. C'est le. Et les maladies cardiovasculaires aussi. C'est de 80 000. Personne à La Réunion ont le diabète, on est à 800 000 et tu sais qu'aujourd'hui on est à 8 milliards, donc 0,0001% de la population du monde est à La Réunion.
Terrible, hein. Avec une pandémie, mais c'est terrible. Non, mais ça, c'est une réalité. Il y a des médecins aujourd'hui qui spécialisent azote, rien que pour traiter le diabète ou dans des cliniques, rien que pour couper la jambe de mon. Voilà, voilà. Mais il y a un monsieur là-bas, à côté de la station, on m'était coupé là. On l'a vu, voilà. Monsieur là-bas, monsieur. Ah, ben voilà, ils mettent tout dedans après. Voilà. Hein, là, on ne peut pas encore les tomates là. Hein. Non, les tomates après. Puis, ouais, et... On va mettre deux, trois juste pour. Ah, on va mettre deux, trois pour déglacer un petit peu. À la même. Voilà. Le chef aussi. Ah, et après, tout à l'heure, on mettra un les tomates. Un petit peu piment aussi, même si. Un petit peu piment aussi. Mais il faut... Un petit peu. Il faut sinon. Ouais. Et où vous mettez pas safran dans le gâteau saucisse? Non. Sinon, si c'était un bougail, c'est un carré. Non. La différence, ça me dit tout à l'heure là. De ce que nous avons vu, hein, donc, dans le Mounir, remonter un peu en créole, ce ne n'est pas tout d'accord. Mais quand on regarde rougaille, c'est rougaille saucisse, rougaille boudin, rougaille jambon, c'est toujours une affaire, la viande ou bien un poisson, les préparer. Le affaire, il n'y arrive pas. Voilà, il fait son carré coq. Voilà, le coq, les brutes. Le coq, le poulet, les brutes. On ne dit pas un rougaille coq. Ça même. Et on dirait, le vrai différence, c'est là. Ouais. Parce qu'après, là, quand on regarde, chacun y mettait un peu son épices, chacun y. Ouais. Là, comme m'a dit Tayola, il ne remet pas ses épices. Mais tomate n'est pas préparé, il n'est pas farcie avant de mettre les dents de filon, donc il dit rougaille tomate. Ah, ça c'est notre plaisir. Essaye de chercher le bout de la pointe. Là où cause rougaille frais, rougaille mort, le rougaille froid sur le côté. Là, mais cause au bon rougaille, rougaille cuit. Alors, j'ai un pas le nom. Et dans le saucisse, on a toutes les dents. Côté déjà dans le saucisse. Le saucisse, les bons, oui. Le thym, tout. Les complets, alors. Les complets. C'est un saucisse complet, ça. C'est un vrai saucisse. Le saucisson, tout ça, à quel côté, ça. Jean-Claude, c'est dans le. Ah, ben voilà. Et voilà. Un mot, vous avez encore, toi. Ouais, ok. Vous c'est bon. Enfin, on a le saucisse V aussi. Hein, les, ouais, les mais à la gamme aussi, pas mauvais. Dans l'Est, on ne peut pas plaigner. On peut pas plaigner. Deux fabricants de saucisses. On a bon saucisse dans l'Est. Mais ça, remarquez, ils ont rien que Malbar. Mais dans toute sa culture. C'est que Malbar ici la Réunion, plus part. On a peut-être des bons saucisses dans l'Est, mais nous habitons aussi dans l'Est. Oui. Ça, c'est comme ben bus, le bus. Oui. On a toutes les bus. Moutoussami, Capaille, Valère. Tout ça. On a des gens, des métiers comme ça. Ben oui, mais après, je l'arrive ici, il avait un créneau à prendre. Et heureusement, ça a fait ça d'ailleurs. Oui, voilà. Sinon, on aurait été embêté aujourd'hui. Voilà, exactement. Et là, les tomates tout de suite après. Mettre la sauce. Tomates pleines. Et là. Ça, c'est des tomates sous serre, ça. Je suis à moi. Ah, Iwali, même de loin, on passe en vite Iwali. Hein. Voilà. Là, on peut la suer. Là, on laisse suer aussi. Là, on laisse un peu de frais. Voilà. Là, on laisse. Et là, on met de couverture dessus ou bien on laisse comme ça. Là, pour l'instant, on est remué encore. Un peu, histoire que le fond aussi nous. Voilà, il déglace le fond toujours. Même, comme un peu... Parce qu'il ne rajoute pas de l'eau dans la panne qui arrive ici que ça. Ah, là, quand même, hein? Pas trop de l'eau. Ah, de l'eau dans le tomate. De l'eau dans le tomate. Et là, attends, les bons, on peut l'essayer un peu. Sur la fin, nous mettons un peu le gros piment, parce que nous n'avons pas envie, nous, on peut finir avec un. Une petite tache verte. Tu as pas fait? Attends, là, on. Tu crois la sauce. Ah, ok, la sauce. Hein. Ah, ouais, il prend du temps pour cuire ça. Et là, on rajoute de l'eau dedans, et on laisse aller cuire. Hein. Bah oui. Voilà. C'est un coq, les dieux, ça, l'eau, c'est pour ça mettre tout ça de l'eau là-dedans, là. Hein? Pas trop dur, comment? Ouais. Donc, en fonction, le coq, s'il est tendre, il est dur, c'est là qu'il dort de l'eau, hein? Mais bon, c'est bon. Bah oui. On ne pas trop le bouton? Bouton marche pas bien. Bouton marche pas trop bien. Hein? Le seul bouton, il connaît maintenant, il pêche la figure tout en temps, mais enfin. Et voilà, quelques minutes après. Ah, là, il commence. Quelques minutes après, il est bon, là. Quand même. Ben là, il rendait un peu son lot, donc on essayait encore un peu séquer. Tarde pas de mettre un peu de gros piment, comme il prend un peu le goût aussi. Voilà, combien de gros piment, dis-moi alors. Mani, zaté coup d'œil. Ben, il est bon. Mani, il y a un peu de oignon, il est bon, tarde pas. Il y a Mani Louké. Ah, il est pas trop, là. Il est bon, Louké. Ah, tu ne causes pas anglais ou. Ah, non, c'est bien. Machin, il y a un attendeur de speaker, il n'est pas causé anglais. Je dis pourtant, dans la langue créole, il a Louké. Et nous l'obligez, comme là ils sont obligés de causer anglais, ils sont causés en chien, l'école est un peu importante, nous une bataille pour ça, nous. D'accord. Je dis, il ne faut pas renier que ça nous sorte, il faut nous causer notre créole. Ben voilà. Il faut nous apprendre le français parce que nous l'enfance, mais vous nous obligez de causer anglais. Un Réunionnais doit savoir parler créole, français et anglais. Anglais. Bien sûr. Après, les restes sont optionnels. Mais anglais, tu ne vois pas ça où partout. Tu ne vois pas ça où partout. D'ailleurs, un endroit. D'ailleurs, ça va dans le document qu'on a, les logiciels qu'on emploie, tout en anglais. Et si ça va dans un pays anglophone, ben ils refusent de parler notre langue que l'anglais. Même si tu parles une autre langue, tu vas dire que l'anglais. Langue universelle, ou sera obligé. Voilà. Et ça l'est pas. Si nous, on va apprendre un peu ça aussi. Bien sûr. Il faut nous entraîner, c'est juste nous gagner, nous. Mais nous
nous entraîne pas. Bah, voilà. Après, personne n'empêche pas nous mettre un petit peu l'anglais dans le créole, tout le monde nous reçoit. Bien sûr. Hein? Déjà, ben oui. On a le mot looké. Voilà. Oui. On commence bien. Voilà. Pourquoi l'IPI? Parce que faites Mimons, l'IPI, tous les matins, Ah bon? Et les bons plats intestins, les bons produits. C'est vrai ça? Ah, on ne pas. Là, il ne pas, mais par contre, l'IPI, il est bon pour nous. Mais l'IPI, il est chiant, ça ben, non, parce qu'il peut plus chat, la mouloir. Il est chiant. Matin, on a vu comment il faut. Connais. Pareil, il y en a deux. Pareil, voilà. Le petit pot, il colle dessus. Là, il y en a deux pots. Là, il y en a deux pots. Café avec sept pots, là, il y en a deux pots. Mais après, là, il préfère ça qu'un gros l'ail chinois. Ouais. On mettait un tête. On a, disons, le goût, de petits morceaux l'IPI. Et après, ben, il faut aussi nous assumer. Comment explique que tous les produits qui viennent de la Réunion, les meilleurs que 700 en dehors? C'est notre chauviniste qui fait ça ou bien sinon c'est vraiment... Est-ce que déjà, il envoie à nous le bon produit sort dehors? Est-ce qu'on peut avoir un bon produit? Parce que nous, l'utile les meilleurs, nous ananas les meilleurs, nous l'ail les meilleurs, nous vanille les meilleurs. La terre, elle est bonne aussi. La terre, elle est bonne. Une terre volcanique un peu jeune. La terre est jeune, c'est pour ça. Nous, on a une des terres les plus jeunes. C'est pour ça que tous les fruits qui sortent, on a meilleur goût. Vous dites nous chauvin, mais l'ananas, par exemple, c'est pas nous la cité meilleure que tout. C'est un bouc dehors, là, des baraques. La cité, elle est bonne. Non, mais l'ananas Victoria, qu'on voyage un petit peu. On voit les ananas blancs qu'on mange au petit déjeuner le matin dans les hôtels. Ils sortent en Amérique du Sud, là. Continental, tout ça, là. À midi à droite. Il ne gagne pas, même. Droit à droite, il dit non. Bon, après, sur mesure, peut-être nous échauffer un peu, mais nous la gagne fait gaillard. Et puis, la tellement crasse à nous, donne-t-on avant qu'on ait le droit un peu à enlever. Et puis, il faut bien que nous ayons un petit peu meilleur que les autres. Hein? Toujours. Voilà. Toujours, hein? Toujours. Et même dans la population aussi, nous avons des gens qui sont un petit peu meilleurs que les autres. Nous avons des bons footballeurs. Hein? Eux connaissent qu'ici, nous avons le meilleur boulanger, celui qui fabrique les meilleures baguettes. Ah, vu, m'avait vu passer. Comme quoi, mais quand les gars ils mettent la tête dedans, nous n'a gaillé. Comme quoi que nous qui sommes des mangeurs de riz, nous peut donner des leçons des mangeurs de pain ou envie. Après, nous n'avons pas toujours mangé de riz. Avant, des mangeurs de patates et maïs. Voilà, on a changé un bout. Nous évoluons, nous faisons. Nous. Mais bon, après, on voit comment on a un peu fait ça avec amour. Regarde, il baisse la tête. Fais-moi à côté pour bien regarder. C'est l'habitude. Attention, coupe la main ou bien sinon parce que non, c'est l'amour et le plaisir de découper la tomate. C'est le plaisir ben, depuis ton petit miracle en fait. Ah ouais. J'aime la cuisine. J'aime la cuisine. Ma maman a toujours cuisiné feu de bois, tout ça donc J'aime ça, j'aime la cuisine. J'aime ça. Et la piment aussi là. Donc, ouais, piment, ça fait un petit rougail tomate. Ça fait un petit rougail tomate au couteau. Voilà. Pas mixé, hein. Pas mixé au couteau. Et là on peut pas dire un petit peu comme dirait Thierry. Jaïno, un petit pot de tomate dans le coin plus long là. Voilà. Il gagne pas. Ah, il peut aussi. Non, mais un petit peu de tomate dans le coin couteau. Hein? Non, là, un petit coup au couteau. C'était là, il est bon, hein, alors. Ah oui, le goût est bon. Là, le goût est bon, il faut le goûter. Là où ça rajoute. Un petit bon coupement, il faut mettre un peu la verdure, mettre un peu de légumes. Voilà. Le gros piment, comment les couper? On dirait des Lady Finger, comment on appelle ça? L'alo. Est-ce que vous connaissez l'alo? Le petit légume. Il tient rien à faire, mais il y a des fois. Le bon mot de ce légume-là, c'est Lady Finger, les doigts de la reine. Hein? Donc, et il ressemble un petit peu, hein, là, le gros piment, parce qu'il était un petit peu strié sur le côté, mais il n'est pas assez gluant pour être comme le l'alo. Mais moi que c'est mais et là on a fait ça avec la couleur. Mais où ça rate un petit peu que l'homme dit non, que l'homme dit non, les oignons rien dedans aussi. Non, les bons vous avez. Il y en a son goût, il y en a tout. Après que l'homme dit par contre, on peut mettre un rougail tomate. Ouais. Parce que là il donne un petit goût, même bien. Le petit cotomini dans le rougail tomate, il y en a fait. Il trouve, il donne en plus. Bon après, Marmaï Saint-André, il doit être normal que nous mettons. Ah bon? Au froid? Qui pas, mais il pourrait être en malbar et mettre cotomini partout. C'est pas moi. Et vous connaissez, ma partie manger dans des grandes tables en métropole. Hein. Ah oui, non, mais coriandre partout. Décor, tout le temps. Les plats et les temps, la cuisine. Si vous cause coriandre, vous pouvez passer. Voilà. Nous, ici, quand on cote au mini, on a fait un petit peu de débat. Est-ce qu'il y a beaucoup de débats. Hein. Dernièrement, on a fait un débat sur moi, comment mettre tout au mini dans le monde. Ma vue, passer vite fait. Entendu, mais c'est pas tort. Autant qu'on a les gars, ils font n'importe quoi avec le rougail saucisse, ils mettent un peu la crème, on dirait que. Ah ouais, là encore, peu machin, mais bon. Ah bah ouais, ma cause, c'est qu'un bouc, il fait tradition, rougail saucisse traditionnel dans son restaurant. Il n'y a pas, les ici, il refait. Mais Dieu, fait de façon. Vous dites pas, c'est le rougail saucisse. Et puis, quand tout le monde, vous connaissez que ça nous a fait la semaine passée, le jour de mon anniversaire, Toto l'a mis 1,5 kg bichique frais, hein. Nous l'a fait bichique, qu'on fait la fête dedans, là, donc.
Enfin, le récure là, dos à côté, et dans sa assiette, nous la mangeons. Non, mais la prochaine femme, ça fait sec un peu, bichic, comme il gagne. Vous avez une tradition, ça te met une saucisse frite côté le carré bichic. Ah, à cause, il manque un peu le. Ouais, tient pas le corps. Le semaine passée, nous avons fait steak pork à côté, nous. Steak pork à côté le carré bichic. Un steak pork frite, voilà. Bon, voilà. La couleur est jolie, hein. Et t'arrêtes pas, mais je pense que je peux sortir dessus le feu. Là, il est beau, hein, fini, hein. Vous avez vu, son affaire finie, hein. Ça fait bon, son affaire, son saucisse, c'est fini. Son saucisse, c'est fini. La PPT, bonne saucisse, non. Est-ce que les graves. Hein. Là, on a tout. C'est pas grave, là, mais tout le monde. Non, non, un petit coup, ce qu'on pense. Je dirais les meilleurs quelques pieds au cul. Ah bon? Ah oui. D'accord, alors, ok. Ah oui. Non, on est excellent, hein. Mais bon? Par contre, c'est fait comme d'avant, mais mon grand. Hein. Ah non, l'enseignant, lui. Ça, c'est éducation nationale, ça. Oui, éducation nationale. Ouais. Enseignant, lui. Enseignant, non ouais. Éducation nationale. Enseignant en cuisine, hein. Ah, mais enseignant, tu m'en même. Mais nous fait tout, nous. Mais tu m'en on a combien d'heures de passe semaine? Ah, nous, à 24 heures. 24 heures. Pour le devant le marmaille. Ouais. Après, il faut bien ouvrir pas, parce que. Ouais. Mais défier un marmaille, débarquer un coup devant un petit marmaille, là, deux mains dans son poche. Non, non, mais après 24 ans ou des. Ah non, non, à moi, non, non, pardon. Mais t'es calculé combien de temps par semaine? Non, non, à moi, là, il fait 5 ans, 6ème année, mais quoi. 6ème année, on a encore de la préparation. Ah oui, là, là, mitra. Après. Milem, en même, il aime bien, fait bon train un peu nouveau tout le temps, ouais. Fait découvrir un peu la musique. Là, nous, ça essayera de l'autre côté Maloya si nous rendons un projet. Ouais. Nous, les, ben, comme on a dit, maison de quartier Fayard, donc ben, tout ce que les maisons va diamer. Tu sais, à moi, ils sortent d'une roche pressionnière, donc ils sont aussi, pas trop laid, à ma grandi dedans. Et après, quand on est bien avec de monde est bien cool. Donc, à moi, comme on a dit, ils travaillent sur la langue créole, nous essayons de faire rentrer dans l'école, mais comme on m'a amené, quand je suis maoré, ils ont d'accord, ça m'a amené. Le plus important, petit marama est là, c'est causé. Ouais. Après, là, nous fait comprendre que tout ne comprend pas le langage tout de monde. Et là, sinon, marama, il apprend à moi un peu deux, trois mots. Les autres parents sont bien contents qu'ils prennent en compte de que ça, maintenant, il est pour autres, vraiment. Ouais, ouais. Et après, on mélange tout ça là, petit marama, il part à toute la réunion. Et voilà, hein, c'est ça même, là, fait la réunion, hein, que nous sommes un peu partout. Ouais. Après, dans mon petit expérience, même, il voit ça, comme une affaire où ça. Tant que le marama, il a son l'envie d'être là. Ouais, ouais, attends, je regarde un petit coup là, puis c'est à nous mettre là. Ah, vous mettez ce nœud vert au-dessus, hein. Allez, voilà. Voilà. Non, les gars, après, hein, fait. De toute façon, c'est un métier, mais il faut un peu l'envie, la passion pour faire. Et après, nous n'avons pas un gaillard, tu es là pour faire des coups à zot, donc nous n'avons pas obligé de faire le même affaire tout le temps. Et comme on dit, après, prépare, ou ça rodait un peu, bonne sortie, ou ça rodait un peu dans Saint-André, dans un tas de monde, il fait bonne affaire, donc. Bon, fais la moi là, parce que là, t'en fais les camarons. Ah, là, ben, le camaron, il commence. Ah, là, le camaron commence plus vite, fais revenir le camaron. Ah, vous faites avec un peu de piment, comme ça, dans la main. C'est pas confiture, hein. Là, je veux le gâteau, va tout là, alors. Tomates, oignons, gingembre et piment. Voilà, hein. C'est pas confiture. Et vous mettez tomate au couteau, hein. Ah oui, et puis. Moi, je connaissais un tartare au couteau, je connaissais un magret de canard au couteau. Mais là, il y a fait le. Là, là, c'est au bec au tomate au couteau, hein. Voilà, voilà. Et l'autre côté, on fait revenir. Un petit peu, pour relève le goût. Ouais, ouais. Il y en a un petit peu et bon, on fait pareil. Et dans le camaron, on a piment. Oui, un petit peu, pardon. Un petit peu alors. Hein, voilà, donc tous les épices. Là, il y a côté gingembre, un côté piment, un côté oignon, un côté et puis le thym de l'autre côté. Exactement. Hein. Voilà, voilà. Là, on fait revenir à l'idée, on fait changer un peu sa couleur. Exactement. On fait rendre l'idée flotter là-dedans. Exactement. Mmh. Et après, une fois que ça aura fini de rendre son eau, on enchaîne avec toutes les épices. Toutes les épices. Et tout. Voilà, voilà, voilà. Franchement. Hein, un petit peu safran dedans aussi. Oui, forcément, c'est bien mis sur les tomates qui sont là-bas. Voilà, et les tomates aussi après, à la fin. Hein. Exactement. Vous avez des gaillards à faire. Hein. On verra c'est bon. Ça ressemble, on verra si c'est bon. On verra si c'est bon. C'est le plus important, non. De toute façon, on a l'air bon, hein, avec les épices pour les mettre dedans. Et là, quand on fait revenir, on va mettre un peu de sel, poivre, là. Oui, j'ai déjà mis un peu de sel, poivre. Avant, j'avais déjà mis un petit peu de sel, un petit peu de poivre. D'accord, ok, alors. D'accord. Ça fait joli. Ben voilà, on a un beau plateau là, les oignons d'abord, hein. Ça c'est une tradition, hein. On peut pas passer à côté de ça, hein. Ça c'est obligatoire, ça. Obligatoire.
Ah, mais nous, t'as vu. Ils ont autre coupe à 15 euros le kilo, là. Ou l'a connu la période. Ah oui, pendant le Covid. Pendant le Covid, quand on était. Et connais comment tout le monde nettoie les oignons? Non. Tu enlèves rien de petit pour faire de celui-là, là, tous les restes. Alors que là, on nettoie les oignons, là. Tu enlèves, tu es gros. Tu es gros, hein. Voilà. Ça est toujours comme ça là, hein, quand les pâchés on consomme beaucoup, mais quand les chers là, hein, on consomme très peu, on fait attention. Hein. Mais, ça c'est comme l'essence, on a vu l'essence là, maintenant presque 2 euros t'as l'air de gazoil. Mais par contre, on en profite, mais on profite pour justement un petit big up, enfin pas le big up là. Hein. Ouais. Moi, mes camarades, tout le monde à moi, big up, pour ce que je dis ça. Hein. Je me dis tout le temps pourquoi big up. Il a dit, je suis une analyse, parce que ma dit, où t'as là, cause un peu anglais moi. Hein. Donc l'école, à un moment, on a appris big, c'est gros. Hein. Monté. C'est en haut, monté, comme on a fait en l'air. Ouais. Donc, en fin de compte, les gens ne comprennent pas que big up, il veut dire, ils mettent, ça, ils mettent le gros en l'air. Mais non, en principe, il faut décider small up. Ouais. Comment mais, mettre le petit. Mais après. Il ne faut pas traduire comme. Non, mais ça même. Il faut traduire comme une pensée, une grosse pensée pour. Voilà. Allez, il rajoute le teint dedans. Et l'idée, quand il le teint, il enlève le bois sur le teint. Il enlève le bois sur le teint. Donc, il est fait. Alors, on va dire comment il faut faire. Il fait. Allez, fais, je t'aime. Un peu, beaucoup, à la folie, passionnément, comme ça maintenant. Regarde comment il t'a fait ça. Hein, vous avez vu, vous graine, Ali. Hein? Et les papiers péjoratif comme il dit, égrené. Hein. Attention, hein. Attention, hein. Et ouais. Oui, c'est les graines. Il y a graines. Hein? Bon, ouais. Hein, c'est comme si il dirait dépioter. Ou dépioter. Jacques, on lève le grain Jacques qui est dans le fouille. Dépiote le Jacques. Ah oui, ouais, fait qu'on lève le Jacques, quoi, si le gousse, c'est dépioté. Des gousses, ou des. Non, le, des non, le grain ou des graines. Enfin, comment on a le. Ouais. Des gousses ou des graines. Donc là, le thym a des feuilles, donc, ou des feuilles. Exactement. Ah, j'ai voilà, mal compris comment il fonctionne. Ah, d'accord. Quand on a des graines, ou des graines. Des graines. Ah, là, d'accord. Pour le Jacques, quand on a des gousses. Ou des gousses. Ah, voilà. Et quand on a des piottes. Ah, des piottes. La langue de Molière nous maîtrise. Attends, la langue de Molière, hein? Ouais. Je te maîtrise un petit peu. Oui, qu'est-ce que tu veux que je te filme? Oui. Et tu veux faire quoi? Rien. Rien? Ça sert à rien que je te filme si tu fais rien. Oui, c'est ça. Allez, fais big up. Big up, même Toto Bernard. Non, pas Toto Bernard. Eh oui, mais big up aussi, mais il y a big up. Bon, je te laisse alors. Non. Big up. Oui. Toto. Attends. Toto. J'attends là, tu sais. Hein. Et les minutes à la télé, ça coûte cher, tu sais. Là, comment il appelle encore ton. Bon, ben j'y vais parce qu'on va mettre la ligne, j'ai les jambes là-bas. Attends, comment il appelle Toto Mani, la masse du blague. Bon, va chercher, après je reviens après. Je fais comme Freedom. Hein. Je te laisse en attente, tu es bon? Comme chez Freedom, il met en attente. Voilà, là. L'ail dedans, hein, et voilà, l'ail écrasé au pilon, exactement. Ou bien au calou, comme exactement. On veut, pas au couteau, pas au couteau, hein, non, pas au couteau, non, hein. Non, pas au couteau, hein, bon, ouais, avec un peu pilon, voilà, hein. On est à l'ancienne, toujours à l'ancienne, et là on mélange tout ça bien, comme il faut, et on a bien épicé là, hein. Et puis les camarons, quand ils sont en train de les congeler. De toute façon, comme le poisson, hein, général, donc, c'est comme manger, vous... manger épicé. Et manger épicé. Hein. Épicé, hein, là, c'est, voilà. Faut pas avoir un problème prostate. Hein. Voilà, il faut pas. Hein, faut c'est pas, ça. Pas. Sinon, sinon manger. Oui, dis-moi. Big up Toto Valère. Les bons, d'accord. Et Mamie Charlotte. Oui, Mamie Charlotte. Les bons. Attends. Toto Valère, oublie-moi de l'avoir beaucoup. Ah, oula, là. Voilà, là. Faut pas qu'il décroute au huile allié un petit peu à la fin. Hein? Ben voilà. Dans un instant les tomates. Hein? Et où l'a fait comme Demande pour le dire. Mais les télés en odorama, bientôt ça sortira. Nous, même donné, ben, non, parce que nous avons télé chez Conforama, maintenant nous aurons les télés en odorama. En odorama. Voilà. Hein? Ben, différent. Les différents. Ben voilà. Et il fait comme Gramoun Lonton, il met sa France et ses tomates. Hein, on fait comme Gramoun Lonton, mettre sa France tomate. Bien sûr. Les bons, voilà. Hein, tu vois que la transmission a été faite. Hein. Oui. La transmission a été faite. Hein. Voilà. Hein. Sinon, merci. Le PN nous a traduit ça. Banane, ça. Merci, bonne grand monde. Voilà. Hein, t'as nous la donné à nous. La le petit coup de main. Voilà. Ouais. Hein, saffron citomate. Ouais. Non, mais comment elle connaît plus saffron citomate? Non, ben, non, je elle connaît plus. Ben, j'ai pas vu ça, Zot. T'as pas vu ça, hein? Ben, nous l'a vu. Voilà. Voilà, exactement. Et là, nous voir encore aujourd'hui. Saffron citomate. T'as fait un gros plan. Saffron citomate.
Voilà. On ne voulait meilleur parce que sinon il crame le safran. Après, sinon le safran est cramé. D'accord, voilà. Aujourd'hui, mon directeur, McDonald's, rien de bon produit. Mais est-ce que tu as vu le nombre de totems de ces cuisines fast-food là, là, qui fleurissent à La Réunion comme là, dans ça dans Saint-Suzanne, on a tous les allez, allons dire tous les kilomètres. Ouais, ouais. Tous les pareils, le chien crevé, bon, dans le chemin. Hein? Ah, ou, ben, non, mais les pas péjoratifs, quoi. Hein? Le chien crevé, bon, dans le chemin, chez quatre voies. Mais à un moment donné, ouais, chez quatre voies, ou à McDonald's, ouais, chez quatre voies, ou à KFC, ou à Gatsugana, tout bon produit en principe, bon produit, ça m'a fait, ça pas dit produit chimique, excusez-moi, ma maille, hein, parce qu'il y en a aussi, mon bon temps, aussi, moi, hein, c'est normal, hein, mais enfin, parce qu'il fait un peu comme tout le monde, si, même il donne un certain petit peu tout d'affaire, moi, d'accord, hein, il donne un certain petit peu, comment dire, maman, il mange même poisson au cru, la case. Ah. Mais ben, c'est sashimi. En tartare. En sashimi, compagnie. Et puis après, tout bon produit, je dirais produit naturel. Exactement. Et c'est ça qui fait la richesse, justement. Voilà. Vous connaissez fast-food à La Réunion. À La Réunion, ben, elle fait beaucoup de profit. Hein. Beaucoup de profit. Hein. Sinon, tu ne construis pas d'autres. Ben oui. Mais moi, je dis, maman, je sais pas moi, allez, mange, allez dans le restaurant. On a un petit bar par là. Il n'y a pas un petit bar, il fait bon manger. Comment voilà. Allez, allons dire, ça va être au cachotis, parce que nous avons au cachotis. Mais bon, enfin, créole, on a toute qualité mangée, on a d'autres mangées, La Réunion, on n'a pas rien que manger industriel, bonnet, voilà. Sort dehors. Mais maman, tu me l'as croit pour, sur les carrés. Il connaît plus comme poisson, la fonte des poissons, quoi, qui poisson en cube. Voilà. Oui, vous avez une passion au poisson pané. Ouais. Beaucoup de bonnets appellent ça le caviar du pauvre. Ouais. Et oui. Tomate avec sa fonte d'or. Hein. Voilà. Hein. Parce que si nous causons là, nous déou là. Mais le caviar du pauvre, pourquoi ça? Parce qu'à un moment donné, là, le caviar, bon poisson, il est pané. Ouais. Et quand il a fait, il est pané. C'est bon œuf. Ah oui, les œufs, c'est pané. Les œufs poissons, comment? Mais alors, c'est ça même, mais pas le caviar du pauvre, donc c'est le poisson pané. Ah, d'accord. Quel jeu de mots. Un jeu de mots. Voilà. Jeu de mollet pour les jambons. Jeu de mollet pour les jambons. Oui, jeu de mollet pour les jambons. Ah, d'accord. Il faut suivre. Hein. Ouais. Ça, c'est comme vous avez fait en anglais, là, ça. À l'anglais, oui. Ouais. Ah, vous faites big up, t'es. Hein. Allez, big up. Big up, la famille. Hein. Ouais. Hein. La famille du moment du Seigneur. Hein. Un petit big up pour toute la famille, parce que maintenant, il y a un paquet. Hein. Ouais. Il y a un paquet de famille. Ouais. Hein. Pour mon madame, mes enfants, mon maman, mon monsieur, ma tante, cousine, tonton, enfin, ça, nana. Hein. Et puis après, nana, pour bonne. Allez, allons dire pour les amis aussi. Hein. Toutes les amis, bon, je vais reconnaître à moi. Et puis après, nana aussi pour. Allez, allons dire pour tous les collègues. Qui plus est, tous les collègues des lycées et de la région. D'accord. Et de la région Réunion. Ok, alors, les bons. Vous la couvrez, la marmite, pour que la tomate puisse cuire un petit peu, là, non? Exactement. Voilà, on laisse la tomate essuyer un petit peu. Ouais. Hein, et elle y rend son eau. Exactement. Elle devient un petit peu plus molle. Voilà. Et après, qu'on passe la cuillère dedans, le plus facile. Exactement. Et puis après, on regarde, il faut rajouter un petit peu d'eau. Voilà, exactement. Hein. Bon, ben, attendez deux minutes, alors. Bon. Nous reviens. Nous reviens, juste pour aller vers eux. Ouais. Hein. Ah non, on ferme. C'est un peu pareil, boîte de nuit, quand il arrive 6h, hein, quand il arrive 6h, il ferme. il ferme. Et après, mais on se passe du bas, est-ce que bien d'un petit de monde, mais enfin, on dit de monde poliment, ouais. Hein, gentiment. Messieurs, dames, c'est l'heure, hein. Veuillez vous diriger vers la porte. D'accord, hein. Allez voir. Merci bien, bonne soirée. Merci, à tout à l'heure. T'en prie. Le tomate finit bien fondre, et là où ça tourne, Ali, comme ça. Exactement. Ouais, il commence à coller un petit peu. Hein, mais bien quand il colle comme ça au fond, il veut dire que là il est bien cuit. Hein. Voilà. Ben nous, on a aussi Ali Murin. Comment ça va, Aline? Ça va? Ça va bien? Ah, hein? Toujours un plaisir d'être là. Ah, parce que ici, il peut qu'il mange, il mange bien, il parle de la culture. Ici, si nous, on a un petit carré camaron, ouais, là. Et puis après, nous, on a un rougail saucisse de l'autre côté. Nous, on a un carré coq de l'autre côté. Et ben depuis tout à l'heure, depuis 5 heures, on active. Depuis 5 heures? Ah, depuis 5 heures, on a vu la côte de Mounena. Et bien, on arrive en marronneur, comme d'habitude. Eh ben elle n'est pas grave, elle n'est pas grave, elle a un peu les aspects à cuire, mais il y en a toujours. Moi aussi, mais un aspect à cuire ne veut pas rien. Bon, ben écoute, hein, bon. Ce soir, moi, je serai un aspect à cuire. Mais j'espère elle est bon. En tout cas, on espère que les cuits. J'espère que les cuits. On a qui ça aussi avec nous. Ben, Aline, dis-moi comme ça, on a un lieu de convivialité, on y mange bien, mais Miroir, est vrai. Et moi, c'est Jean-Yves Morel, un camarade Aline. Ah, et voilà. D'accord. On est plus dans le sport. Peut-être on aura l'occasion de causer un petit peu. Ben oui, on va causer un petit peu tout à l'heure. Allez, là, oui, îles, parce par que le jeu des îles, le sport et la culture, c'est deux éléments, ils ne gagnent pas séparés. D'accord. Et surtout,
quand on parle des jeux des îles, moi, j'ai une petite pensée pour Canal Austral, parce que Canal Austral est diffusé dans les îles. Bien sûr, exactement. Et ça, il est important de maintenir ce lien. D'accord. Donc, on va parler de ça tout à l'heure, alors. Avec plaisir. Ben, elle est bon, alors. Après avoir bien mangé. On va faire ça avant de manger, parce que quand on le voit, t'es plein, c'est vrai qu'il est trop causé. Elle est bon. Ok, à tout à l'heure, alors. Merci. Voilà. Ça, c'est un salade quoi, comme ça. Concombre. C'est un concombre sous serre. Concombre sous serre. Concombre sous serre. Là-dedans, on a de sel, on a piment, on a soignon, on a vinaigre. Oui. C'est tout. Ouais. Hein, vinaigre, il voit, il a. Maintenant, un petit peu sans piment. À côté. Ça, tu manges pas piment. Ça, tu manges pas piment. Ben, bon. Et là, le gars de tomate aussi, ben, là, je vous fais ici. Oui, là. Ben, il a piment, là. Il a mangé, là, aujourd'hui. Aïe, aïe, bon, il espère assez de riz. Ah, ouais. Parce qu'à manger, il est là. Hein. Mais de riz, nous ne connaissons pas assez. Hein. Mais bon, ben, on va le mettre de riz. Bien sûr, bien sûr. Ok, alors. Bon, ben, là, ça vous finit, alors. Et l'impression d'un bon pépimonde là. Regarde l'odeur là. Comme c'est pour ça. Hein? La poissée. La poissée? L'huile était bien chaud, hein? Ah oui, elle est bonne. Elle laisse bien chauffer le travail. On commence toujours par les oignons. C'est la base. Tomate à pierre. La pierre tomate. Maintenant, on va le tout apprendre à faire regarder avec. Les oignons, on va tout faire. Là, du coup, c'est l'ail. Gingembre. Après, mettre. Mais attends, les tomates que l'on avait mettre sur côté, que là, disparaissent. Voilà. Les tomates y arrivent. On va essayer de coller un peu. Les tomates, ça décroche un peu. Ben là, on est obligé de remuer. Ah, ben il faut. Faut pas mettre lâcher. Tomates. Toujours, il faut remuer. Faut pas dormir. Il n'est pas laissé reposer. Quand même, mais... Si vous voulez là, vous cuisinez, vous dormez. Bon. Achetez un Thermomix. Les bons, les bons. J'ai jamais au moins passé là pour moi. Est-ce que tu as... Guillaume, plus ou... Voilà, les tomates sont arrivées. En forme. Super. Là, les pissures aussi. Il est bien. Et on laisse les bien mijoter un petit peu. J'essaye un peu de rendre son lot, décrocher un peu, cette la colle un peu dans le fond là. Mais les bras dégoûtés. Bah, elle a été bien lavée en amour, bien triée avec amour. Ah, c'est l'essentiel, ça. Par plusieurs mains experts. Allez. Et là après au tournail. Là, le tendu fini en petit morceau. C'est ça? Et de toute façon, il faut toujours un bon goûteur. Hein. Comme moi, on nous connaît, c'est les bons bois. C'est exactement ça. Voilà. Si. Il faut un mon extérieur, il vient un peu juge de travail. Mais si on cuisine et on goûte en même temps, à un moment donné, il n'aura plus rien aussi. C'est un autre problème dans la vie. Les chis dedans, oui. Les chis, oui. Hein, les chis. Non, mais on a fait un peu blanc dedans, là. Sauter hein, les chis. Blanc, blanc. Ouais. C'est ça. Ah, là, il m'a bon bébé, il m'a coupé les chis. Non, c'est les chis hein de la cour, oui. Mais les chis encore vire. Ouais. Vous connaissez pas un gros gars, les chis vire. Pas ça comme ça. Hein? La viande chinoise là, hein? William, vous pouvez mettre en tout. Vous calculez d'autres sens. Non, mais là, c'est un petit peu parce qu'à moi-même, les Chinois.
Hein? Oui. On dit du bâtard, mais bon, en fait, bâtard, le vilain, vilain, vilain. Le mot le vilain, hein, métis chinois. Donc, il veut dire que la moitié en haut, les chinois, et en bas, mais ça va dire, on va aller les créoles, on va aller les créoles, quand fois, hein, en bas. Il faut donner des cours. Donc, tu comprends à peu près, là, tu comprends à peu près les affaires. Mais il veut pas qu'il y ait plus. Il y a bien rien, il veut pas qu'il y ait plus, sur moi. Faut donner des cours là. Hein? Non, je donne des cours. Mais donner des cours sur ça. Dans sur non, non, mais quel? Sur le chinois en l'air, mais sur le créole en bas. Hein? L'âme pense qu'elle a besoin plus de chinois en l'air. Ah, chinois en l'air, alors. Hein? Ouais. Ah, tout ça chinois parce que ouais, le coup de cuillère, elle n'est pas expert. C'est ça, le voilà. Mais écoute, si vous pensez que vous n'êtes pas expert. Non, là, il est bon. Ah non, là, il est bon. Il doit être bon. Ah, parce que sur la quantité, moi, j'y vais vous faire. Et... Bon, vous pas fait mieux, non. Tant que c'est bien mélangé, le goût c'est est ça. Là. Voilà. Et ça, le plus, voilà. Le métissage. Hein? Vous parlez de métissage. Hein? C'est un métissage. Bon métissage. Ça. Donc voilà, donc c'est un bon métissage. Voilà. On a le vert. On a le vert. On a le rouge. Là-bas. On a le jaune. Mettez un petit peu de bleu. Il manque rien que le bleu, tu es en champ. Mais en fin de compte, nous avons le signe de la FSI, hein, en démo. Hein? Là, bien hein? Choisi ce que vous avez aussi bien. Non, la FSU, c'est un. Comment on fait de ça le drapeau, c'est. Combien de drapeaux la Réunion, on me dirait hein? Les multi. Comment ça dit multiracial, oui. Hein? Multicolore. Hein? Multicolore. Et c'est ça, qui fait c'est ça qui fait la Réunion, justement, c'est le mélange. Hein? Et c'est pour ça, justement, on a choisi ce drapeau-là. Hein? Parce que c'est vrai qu'on pense. Alors, un petit détail, hein? Il parle pour la grève, voilà. Pour la grève, des fois. On voit la grève, il y en a le rouge, il y en a le bleu, il y en a le blanc, il y en a le noir, il y en a l'orange. Vous comprenez? Et tout ça là, en fin de compte, les MP, je dirais, c'est une ségrégation. Tout le monde, chacun isolé de son coin. Nous aimerions bien que tout le monde, toutes les couleurs avec, toutes les mélangées avec. Au moins comme ça qu'il fait la grève là, toutes les mélangées avec. C'est vrai qu'il y a une fois, on a parlé ça à, allons dire, défunt Yvan Haro. Hein? On va parler de ça. Et il y a dit, oui, en effet, William. Les vrais. Mais seulement les dieux de réunis, de faire comprendre aux hommes qu'à un moment donné, il faut mélanger. Voilà. Et c'est ça donc le seul regret que maintenant, moi. Quand on fait la grève, nous aimerions bien que toutes les unies. Et là, à un moment, je la propose à Yvan, je la propose à une affaire, il a dit, moi, ça, c'est original. Je lui ai dit, Yvan, quand est comme ça, là, chacun y apporte son drapeau et nous mettre, nous, tout en blanc. Donc le blanc, il devient la couleur, la révolte. La couleur, la lutte. Et le blanc, c'est une affaire, elle est unie. Et chacun, il met son logo. À nous, comme là, nous mettons le logo FSU, la SGT. Il est habillé en blanc, il met son logo SGT. Et ainsi de suite, force ouvrière, le Saipair, bon, le Saipair en noir. Hein? Et, enfin, peu importe. Hein? Nous retrouvons, nous, tout en blanc, et chacun, il porte son drapeau. Et là, on aurait été justement un couleur unie. Et là, nous aurions fait la grève, ensemble. Je dirais ensemble, tout le monde uni. Là, nous aurions été... Mais Yvan Haro, à l'époque, elle dit, ça, c'est une affaire originale. Mais comment on ne fait pas ce message-là? Mais là, on l'a bien fait pas ça. Comment on ne fait pas ce message-là hein? On l'a bien fait tout le monde est uni. Voilà, donc quand même, il n'y a pas de grand-chose, hein? Mm-hmm. Si le bon grand syndicaliste, là, il ne fait pas ça par année, ben, moi, on est... Le médecin, nous, Christelle, à son bread, là... Il vient de dire, moi, une affaire, c'est moi comme ça que quelquefois, il mettait un peu sa fronde sur son bread. Hein? Ce matin, il est désolé. Il m'a dit comme ça que Jean-Paul Bollé va retourner. Allez, ça tombe. Mets pas. Non, là, les bons, là, mettez pas. Mettez pas, mettez chez vous, mais mettez pas dans la télé. Parce que c'est dans ça, là. Il m'a dit de temps en temps. De temps en temps, il a dit. Voilà. Mais il ne sera plus les couleurs du drapeau, par contre. Mais si, il met un petit peu le jaune. Mais jaune, rouge, ça, il est rouge avec le tomate. Parce que, en fait, il met un petit peu de tomate aussi, moi, l'ai vu dedans, hein, elle est très bien, parce que moi aussi, je remets un petit peu de tomate dans le bread. Hein. Voilà. Et où il aime bien le bread, quand il cuit bien ou bien quand il est gros? Non, je pense que lui, il est bon. Là, il est bon, j'avais un petit gros morceau. Mais le petit gros morceau, parce qu'on a remarqué, là, c'est lui qui goûte. Non, la main est un petit peu grande, mais moi, la bouche, la bouche, la bouche, les gars. Oui. C'est bon. Verdict. Bon, on a un bon goût de sel. Il est bien croquant. Il est impeccable. Rien à dire. Éteins-moi le vent. Bon, ben, nous mangeons alors, nous sommes au ciel. Attends, c'est vrai, ça va alors, il faut manger. Allez, c'est bon. On va vivre au paradis. Ah ben. T'es bien les olives, ça, les gaillards, ça.
T'es ben fait ce qu'on a fait que manger. Bah comme t'es tout de gens, mais t'es quoi maintenant t'es gagné pas fait que. Non mais Bernard il croit trop. Il mangeoie le dans la plume. Fais l'expression mangeoie dans la plume là là. Là t'es crois que maintenant il mangeoie dans la plume. Ah non mon petit ça va encore. Ah non mais c'est bien mais ça va pas. Non, nous mettre. Ah, super, les super. Putain, il m'a donné bon manger. Ouais, refait le corps et puis maintenant vous allez passer et après. Bah, les ouais, bien, voilà, voilà, voilà. Bon, ben, bon, merci, Koussel. C'est bon. Allez, nous allons manger dans un instant. Ça, c'est rocaille saucisse. Ça, c'est le bread. Bread sans safran, hein. Parce que vous connaissez tout à l'heure, il y avait pensé mettre sa fronde là. Ben ouais, il y a dit comme ça, Jean-Paul Vonnet, là-bas, ça son tombe là. Ça retourne à l'île avec coup. Hein? Il change le morceau pour lire en direct là. Mais bon, là, et petit carré de poulet, les jolis aussi, hein. Voilà, que petit carré camaron, bien sûr. Hein? Hein? Tout est bon là. Tout est bon. Normalement. Normalement. Hein? Faut dire nous, c'est pas bon. Madame va dire honnête, hein. Alors que ça, c'était bon. C'était bon, j'ai pas encore goûté. T'as pas goûté encore. Ah ouais, mais comment une pizza comme ça parce qu'on a goûté rien que crevettes. Bah oui, on change un peu. Hein. Tout en la viande. Tout en la viande. Bon après, c'est un monde qui mange que la viande, ils ont ça, donc on mange que la viande, non? En général. D'accord. En tout cas, t'es bien, t'es assez fou. Il avait beaucoup de personnes qui a parlé de beaucoup de choses, notamment du syndicalisme. Ouais. C'est bon à savoir. On a des choses qu'on ne connaît pas, que nous croit que le syndicalisme n'est pas bien, ouais. Alors que non. Non, hein. Oui. Hein, c'est des gens qui sont là pour défendre les intérêts de beaucoup de personnes. Hein, qui travaillent notamment aujourd'hui dans l'éducation nationale, dans des collectivités territoriales et tout ça. Et Banagui a fait que manger aussi. Eh oui, oui, oui. Mmh. Donc, nous avons eu tout, hein, on a eu le cuisinier, on a eu le goûteur, on a eu le ASTQ, on a eu le. Attends, le. Comment ça? Comment on appelle le monde qui veille des travaux finis là? Ouais. L'inspecteur des travaux finis. Mais là-bas, on a tout ça alors? Il y a tout. Les bon, alors, okay. De toute façon, il faut tout faire à monde, hein? Bah oui, bien sûr. Mmh. Hein, les bon. Mais là, en tout cas, on a toute la. On a un peu le bar ici, on a un peu le fond, on a un peu de l'autre côté sur le kiosque. Enfin, il y a beaucoup de monde ce soir. Hein. Bon, ben, nous retrouvons. On retrouve, comme toujours, sur Canal Austral. Allez, à bientôt. À bientôt.